Hey Sinon, c'est que vous annonce pour une nouvelle vidéo, on va regarder le trailer de Loup-Garou. Hey Sinon, c'est que vous annonce pour une nouvelle vidéo, on va regarder le trailer du nouveau pack de jeux, Les Sims 4, Loup-Garou. Donc je crois qu'il sort en juin. Alors je tiens à dire que c'est pas un pack qui me hypait, je suis très contente qu'il y ait des loups-garous, c'est quand même un grand pas dans les Sims. Des loups-garous au niveau des graphismes, j'espère qu'ils sont beaux. Mais moi c'est pas un pack que j'ai acheté comme vampire parce que je n'aimerais pas avoir des loups-garous ou des vampires qui se baladent dans ma ville. Je n'aimerais pas avoir des... Hey Sinon, c'est que vous annonce pour une nouvelle vidéo et pour regarder le trailer de Sims 4, Loup-Garou. Donc je crois qu'il sort en juin, je suis pas sûre, mais bon voilà. Alors je tiens à dire que je suis pas forcément très hypée, je suis très contente pour les joueurs qui ont enfin ce qu'ils veulent, les loups-garous, mais c'est comme vampire, j'ai pas forcément envie de les acheter. Car croiser des loups-garous ou des vampires dans ma partie, ça ne me plaît pas. Mais c'est vrai que j'espère qu'il y a quand même, si ça se trouve, il y aura des vêtements qui vont me plaire et que je vais acheter pour ça. En tout cas, c'est parti pour regarder la bande-annonce. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la voir sur YouTube ainsi que si vous mettez sur votre page d'accueil les semis. Donc c'est parti. J'ai enlevé le son pour les droits d'auteur. Je me pose la question si la fille c'est pas le loup-garou. Je pense que oui. Donc ils avaient raison sur la fille, c'est bien la fille, c'est bien le loup-garou. Ouais, l'usine. Je crois que la ville s'appelle Moonwood Mill. Qui entre guillemets, Mill ça doit dire l'usine. Ou Mill ça veut dire lac. Je sais plus. Moon, bah la lune. Et il y a un truc qui veut dire usine. C'est pour ça qu'il y a une usine, je pense. Oh, regardez, son nom, ça avait le nom d'un loup-garou. Stylé. Il y a plein de choses à voir là, à mon avis. Oh la lune. Oh. Vous imaginez, vous êtes en transfert à votre ville, là, il y a un loup-garou qui se transforme devant vous. What? Est-ce qu'ils vont vraiment se transformer comme ça dans un éclair rouge? Ah, c'est tous les vêtements pour le loup-garou. Ah! Ok. Oh! Ah, ils vont pouvoir se battre. Elle est longue la bande-annonce, non? Ils peuvent se creuser et partir autre part? Moi, j'ai pas bien compris. Hein. Ouais, ils se battent. Ah non, c'est vrai qu'il est ressorti par un trou comme si c'était téléporté, mais vous voyez, il a creusé, il est revenu. Donc apparemment, les loups-garous couraient comme ça alors. Ça va, l'animation est pas si moche que ça. Embrasser la liberté. Loup-garou, pack de jeu. Ah oui, ça c'est, il faut avoir... toutes les mises à jour et les Sims 4 jeux de base, hein, normal. J'aime bien la musique de fond. Donc c'est tout. Voilà. Donc pour regarder plus en détail, on va aller sur YouTube. En tout cas, je vais vous montrer un truc, c'est les annonces, enfin les petits trucs qu'il y a eu qui se sont postés sur Twitter. Donc toutes ces petites images qui ont amené à dire qu'il y avait une bande-annonce sur les loups-garous. Mais il y a aussi quelque chose que beaucoup disaient, qu'il y avait des symboles qui faisaient penser à des choses de magie et qui pensent qu'il y aurait une mise à jour du pack magique. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, tous les petits messages codés qu'il y a eu et tout. Donc voilà, on va se retrouver juste ici et on va regarder tout en détail. Alors, hop. Donc là, attendez, déjà on commence. Je baisse le son parce que sinon ça va être compliqué de parler. Là déjà on a une grue avec des bois, alors je suppose que c'est un paysage qui est lambda qu'on peut pas toucher, je suppose. Bon, ça me paraît logique. Donc là on est comme si la caméra s'est mise dans une voiture, je pense, on voit une usine au fond. Les personnages, je pense que ça c'est une nouvelle coiffure. La barbe, non, je crois qu'on l'a déjà. Est-ce que c'est de nouvelles lunettes? Je sais
pas sûre. En tout cas, les deux coiffures sont nouvelles, ça c'est sûr. Le pull est nouveau, le bas aussi, les chaussures aussi, je vois qu'elles ont les mêmes, donc je pense que c'est la même chose. Et ça doit être une tenue complète. Ok, la suite. Ah oui, j'ai oublié de regarder les alentours s'il n'y avait pas de nouveaux trucs. Je pense que les vitres sont nouvelles et peut-être qu'il y a des nouveaux tags justement pour aider à faire ça. Là, on dirait les mêmes trucs de décor qu'il y a quand on cherchait dans le debug de écologie. Là, ça fait comme si c'était la nuit et qu'ils étaient plus là. Là, on a un nouveau canapé. Est-ce qu'il y a un nouveau échiquier? Je suis pas sûre. Un nouveau escalier, ça, je suis sûre. Les pierres, elles n'ont pas l'air nouvelles. La porte est nouvelle. Bon, ça se voit que ça fait une porte un peu déformée, vieille. Métal, surtout. Alors, je vais mettre en plein écran. Peut-être que ce sera plus simple pour voir. Le sol, non, n'est pas nouveau. Ah. Je regarde. Mais ce ne serait pas une chaise. Donc là, il y a un canapé qui est nouveau. Et je pense que la chaise aussi est nouvelle. Donc, attendez. Allez, pas trop vite. Donc là, à mon avis, on a un nouveau truc de sport un peu, on va dire, délabré. Ça va être beaucoup ça, je pense. Un miroir cassé, rafistolé. On peut voir que je pense que cette coiffure est nouvelle. Est-ce que le bonnet vient avec ou est pas avec? On verra bien, je pense, dans la suite. T-shirt nouveau, bas nouveau, chaussures nouvelles. Le short et le haut, ça c'est nouveau. Et la coiffure qu'on voit ici est nouvelle. Sol, non, mais il y en a des traces sur le sol qu'on peut mettre. Ok. Donc là, on voit la nuit, le but qu'ils voulaient mettre. Donc là, on a un lac, j'avais bien compris. Je sais plus si c'est Moonwood Mill. Est-ce que Mill c'est lac ou c'est Wood Lake? Et oh là là, je suis très nulle. On va regarder Google Traduction ensemble. Hein. Je sais plus, il y en a un des mots. Je sais pas si c'est. Alors, hop, on va mettre anglais. Wood, ça veut dire traduction bois. Donc oui, donc c'est wood. Donc je pense que moon, ça veut dire que c'est la nuit forcément, la lune. Donc c'est la lune quoi. Et wood, du coup, c'est la forêt parce qu'il y a une forêt, je crois. Et du coup, mill, ça doit peut-être un moulin. Donc peut-être un moulin, une usine, je crois que ça veut dire un peu les deux. On va repartir sur la bande-annonce. Bon là, je peux pas trop regarder ce qu'il y a autour, mais on voit bien qu'il y a une forêt derrière et un lac. Là, on voit la belle lune. Donc là, on voit les usines qui parlaient. Un petit pont, je pense qu'ils sont peut-être traversables comme dans Mon répit. C'est assez compliqué de voir tous les détails qu'il y a, mais je vois qu'il y a une forêt. Est-ce que c'est des. Je pense que ça, c'est des maisons qu'on peut modifier. Peut-être pas les usines derrière, mais celle-là, elle aurait d'être modifiable, peut-être. Et qu'ils l'ont déjà mis dessus. Hop. Donc là, si on regarde à cette tête. Le maquillage, je ne pense pas. La coiffure est forcément nouvelle pour moi. On n'a pas ça. Alors, hop, bouge-moi. Les chaussures sont nouvelles. Et le bas aussi. Et la veste aussi. Et là, on a vu des pancartes qui ont l'air nouvelles. Donc là, on voit le loup-garou. Et le garou, on font pas forcément très très peur, mais j'aime bien le détail, comment ils sont. Là, on peut voir qu'ils courent comme ça. Là, au niveau des habitations, j'ai l'impression que je pense que là, c'est des vraies maisons. Et plus celles aux alentours qui vont être là et tout, ça ne va pas être habitable. Alors, la lune est très très belle. Ça, c'est très beau. Là, hop, on se voit le jour. Et donc là, j'ai l'impression qu'elle a un petit bouton en signifiant qu'elle est loup-garou. Est-ce que si quand on le voit tout le temps et que c'est comme ça qu'on repère, ou c'est juste que quand vous êtes comme dans les extraterrestres, quand il y a des émotions trop fortes, ou c'est comme les extraterrestres, quand il y a des émotions trop fortes, bah on voit. Ok, un petit dos. Là, on a des nouveaux bacs à plantes. Je vois une nouvelle veste ici, une nouvelle coiffure. Un nouveau pantalon. J'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles coiffures. Celle-là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est celle qui a deux couettes qu'on a déjà dans le jeu de base. Ce chapeau est nouveau pour moi. On a cette robe nouvelle. Cet accessoire, non. On voit un truc tout là-bas. Ça m'intrigue. On a des petits bouts de bois. On a des petites décorations. Je pense que c'est nouveau. Est-ce que ça, c'est un arbre ou c'est un poteau qu'ils ont mis là? Là, on a un truc derrière. Là, c'est une caravane. Alors, les fenêtres nouvelles,
les dessins nouveaux, la porte nouvelle. On voit les habits sont nouveaux aussi. Est-ce que leur. Quand elles étaient normales. Hop, leur. Oui, donc je pense que la coiffure est comme ça avec le bonnet. C'est dommage si c'est ça, mais bon, voilà. Ok, cette image fait peur. En tout cas, j'ai l'impression que les boucles d'oreilles sont nouvelles. Bon, la coiffure, j'avais dit qu'elles étaient nouvelles. Et ok. Ah oui, les accessoires qu'elle a au poignet, si on regarde bien. Alors, faut que j'arrive. Je pense qu'ils sont nouveaux. La porte nouvelle. Peut-être que ça, c'est nouveau, je pense. Je ne sais pas. Oh, j'ai enlevé mon meuble. Hop. Alors là, elle a une. Ah non, c'est des escaliers. Ce mur est nouveau parce qu'il n'y a pas ça dans le jeu de base. Des petites lignes comme ça. Les peintures sont belles. Je pense que c'est. Ah! Faire pause. Oh! J'ai raté. N'importe quoi. Hop. Ça va beaucoup trop vite. Ok, je l'ai. Donc là, nouveau siège, nouveau truc pour poser la télé, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de choses qui vont très délabrées, donc j'aime pas trop. Les chaises sont sûres qu'elles sont nouvelles, la table je suis pas sûre. On a une plante ici, des petites décorations qui sont nouvelles. On a une petite fleur là, qui est enfermée. Les petites décos derrière, bah, je suppose que c'est nouveau, très loup-garou. Là on a une. Ça m'intrigue ça. Et là, on a une bibliothèque qui m'a l'air nouvelle aussi, la porte est nouvelle. Hop. Est-ce qu'on a un. Je pense qu'on a un nouveau. Parce que ça peut pas être les lits de décoration d'intérieur qu'ils ont mis ici. Et pour moi, on n'a pas ça dans le jeu de base, donc ça, c'est nouveau. Ce lit, magnifique. Est-ce que c'est un pour enfant ou pour grand-mère? En tout cas, il est très très beau, j'aime beaucoup. Donc cette chaise, oui, bon, on l'a déjà vue, elle est nouvelle, quoi. Le bureau est nouveau ainsi que l'escalier qu'on a déjà vu. Est-ce que ça serait pas une décoration qu'on pourrait poser? Oh, le lit pour bébé! Oh! Je suis très heureuse parce que c'est vrai que les lits pour bébé sont très moches. Alors moi j'ai cherché plein de modes pour en avoir des beaux. J'ai pas mon magique mais je sais que mon magique est quand même beau. Et là, c'est sûr, je suis sûre de moi, il y a un nouveau lit pour bébé. Il est magnifique. Il fait pas trop princesse vieux comme mon magique. Et c'est tout mignon. Si on peut changer par exemple les couleurs, ça doit être tout mignon avec ses petites décorations et tout. Ah là, je suis hypée pour ça. Alors il y a des choses qui m'hypent aussi sur ce lit. Ces chaises ont l'air sympas aussi. Cette plante. Je ferai un petit peu, je pense, je refais une fois un petit peu ce qui me plaît dans ce pack. On a ça, les tables. Très vieux, j'ai pas forcément ce style, mais il faudrait qu'un jour j'essaye de construire un peu dans ce style délabré, ça se trouve ça me plairait. Hop, j'ai cliqué trop tard. Là, ça doit être les nouveaux petites choses. Donc, on a un petit brebis, des petits trucs, des boissons qu'on a, des livres, de la viande, du poisson. Hein, c'est un nouveau poisson qu'on peut pêcher dans le lac. Une décoration. Alors là, on a une nouvelle horloge. Très belle, ça fait très Halloween mais très belle. Là on peut faire une petite décoration pour détacher. Cette bibliothèque a l'air sympa, j'espère qu'il y a des coloris pas déchirés. J'espère qu'ils ont fait l'effort de faire par exemple plein de coloris un peu comme ça et au moins deux coloris ou trois, un noir, un blanc et un bois pour que ça soit joli et qu'on puisse le réutiliser autre part. Là je vois un télescope qui à mon avis est nouveau. Là on a le bord du lit que j'aimais beaucoup tout à l'heure. Un petit truc, deux nouvelles décorations ici. Là, on la voit de nouveau. On voit pas de nouveau. Ah, si, il y a la petite arche aussi. La lune. Là, on est dans un endroit où il se transforme. Alors, ça m'intrigue cet endroit. C'est un peu peut-être le repère des loups-garous, j'ai l'impression. Parce que là, on en voit un. Là, il y a un nouveau feu, je pense. Donc là, elle est là. Et les autres. Ah, attendez. Chose, on voit que là il y a la coiffure. J'avais montré, il y a cette nouvelle coiffure aussi. Les t-shirts, les trucs sont tout nouveaux. Alors, je pense qu'il y en a peut-être des mêmes, mais dans d'autres coloris. Hein. Hop, ok. Attends, une nouvelle guitare. Ça, je pense aussi que c'est une nouvelle guitare. Ensuite, les habits. Là, on voit plein de trucs que les loups-garous peuvent porter. Ok, il fait pipi d'une façon un peu bizarre.
Oh, ça, je trouve ça trop mignon. Regardez ce petit bambin avec son petit déguisement. C'est trop chou. En plus, avec une nouvelle malle. Oh, ça, c'est sympa. Ça, on l'a déjà. Là, je suis très hypée pour le truc de bambin. J'espère que le lit qui est un peu, vous voyez, celui qu'on a écologie, j'espère que celui qu'on voit là en tout à l'heure, j'ai fait enfant et bambin. En tout cas, cette combi est trop mignonne, trop chou. Au moins, on est sûr qu'on a un truc pour les bambins. Là, on a des nouveaux toilettes, à ce que j'ai vu. Là, on peut voir qu'ils pourront se battre. Donc, peut-être qu'il y aura un même système que pour les sorciers ou les vampires. Un système de pouvoir, mais au sens de choses à apprendre. Non, je pense pas. En tout cas, je sais pas s'ils se transforment que les pleines nuits, ou plutôt que les pleines lunes, pardon, ou toutes les nuits, ou qu'on pourra choisir. Je pense qu'on pourra choisir, en tout cas, je l'espère. Ah, la coiffure de la fille, en fait, elle est rasée derrière. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on peut se téléporter, genre. Ça fait la mission de fouiller le sol et de revenir à l'endroit. Là, on a un truc pour jouer une corde. Ok, là il y a un petit trou qu'ils ont essayé de construire qui est très mignon. C'est un bar en fait, et autour ça va être un truc construit. Là il court dans un petit truc. Ok. Ah, une petite grotte. Est-ce qu'ils pourront y aller? Je pense que ça va être un truc où ils se téléportent. Genre ils vont courir, ils vont arriver au bout d'un truc, ils vont se téléporter, ils vont arriver. Et là, hop. Et là, on a un aperçu un peu de la map. Est-ce que je pense qu'il y aura plusieurs quartiers? Je pense que ça sera le quartier où il y a le lac, cette petite grotte et peut-être quelques maisons. Et un autre quartier, ou peut-être, je pense pas qu'il y aura plus de deux quartiers, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y en aura qu'un seul, mais qu'on ne voit pas sur cette image. Et il sort le 16 juin, ce qu'on voyait pas tout à l'heure sur la bande-annonce directement de la page d'accueil. On va aller regarder un petit peu ce qu'ils disent dessus. Comme ça, on a tout vu. Donc, on peut précommander dès maintenant si vous voulez. Donc, caractéristiques principales. Explorez votre côté sauvage. Comme vous avez des grands talents, transformez-vous en loup-garou et appréciez ou combattez votre nature bestiale. En plus d'une apparence impressionnante, les Sims loup-garous ont des tempéraments et des facultés uniques, sont affectés par la phase de la lune et vivent des événements spécifiques. Donc, oui, c'est la phase de la lune. Parce que ça m'inquiète, toutes les nuits, tu te transformes. Alors que des fois, t'as envie de dormir. Donc, on rend des tempéraments et des facultés uniques. Ok. Loup alpha ou loup solitaire. Ah, c'est pas mal ça. Façonnez votre identité de loup-garou. Avez-vous été mordi? Donc, en fait, je pense que. Est-ce que dans le créer un Sims, on pourra. Ou ce sera un truc à remplir quand on a notre petit panneau loup, par exemple. Je pense que ce sera peut-être un truc dans le. Quand vous êtes dans le créer un Sims, vous direz j'ai été mordu. Ou ça se trouve, il dit juste ça, ou c'est par rapport au gameplay. Hein. J'ai peut-être loin. Je pense que quand t'arrives, t'es loup-garou. Et peut-être que si tu joues avec ce gameplay, peut-être que tu obtiens le fait d'être mordu ou être né dans une famille de loup-garou. Vous devez maintenant décider du genre de loup-garou que vous voulez être. Trouvez une meute avec qui rôder, rencontrez vos amours prédestinés en haut du pic du hurlement, ou fouillez tout cela et tentez votre chance en tant que loup solitaire. Ok. Coutume de lycanthrope. Ok. Oh, le moment, il est trop mignon, pardon. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les loups-garous et leurs origines. Découvrez les coutumes du loup-garou, des vampires et des jeteurs de sorts en lisant les. Des vampires et des jeteurs de sorts? Donc, peut-être. Est-ce que je me demande. J'ai pas vampire ni jeteur de sorts. Est-ce qu'il y a maintenant des livres? Je sais qu'il y a un livre pour les jeteurs de sorts puis ils apprennent. Est-ce que maintenant il y aurait des livres pour apprendre les coutumes des loups-garous, des vampires et des jeteurs de sorts? Parce que des vampires et jeteurs de sorts, c'est pas du jeu de base, donc c'est d'autres packs. En lisant des livres, en découvrant des tunnels secrets. Des tunnels secrets? Ok, en agrandissant votre collection et en interagissant avec les habitants de Moonmoon. Mais donc lune, forêt et usine. Donc voilà, c'est tout sur le petit article sur ça. Je vais regarder sur si vous savez pas, il y a l'univers Sims. Je vais regarder si elle a posté un petit truc sur justement le pack. Donc.
Il y a découvrir les indices du Sims Guru autour du nouveau pack de jeux. On va regarder un petit peu ce qu'il voulait dire. Donc, ah oui, là c'est pour reverser si vous voulez avoir. Là vous avez la traduction de ce que veut dire les trucs. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et elle a mis un autre truc où elle écrit les loups-garous arrivent dans les Sims. Donc en fait il y a eu en Allemagne ça a fuité le petit truc comme ça là, hop. Donc bah ils l'ont posté, je pense que ça devait être resté secret jusqu'à aujourd'hui, mais que ça a fuité tout simplement sur le truc allemand. Donc l'aperçu ce sera ça, donc on voit bien que ça c'est deux loups-garous et des amis par exemple. Ok, là on a un aperçu du nouveau monde. Ok, et là on a la carte postale. Comme dans Via la campagne, on avait une sorte de carte postale pour un peu expliquer. Donc vous voyez qu'il y aura une usine. Donc, est-ce qu'il y a un autre article dessus? Il y a le truc de ça. Donc ouais, c'est ce que j'ai dit. Les loups-garous creusent des trous pour peut-être se réfugier ou se téléporter. Ils peuvent former des meutes, ben c'est ce qu'on a vu sur ça là. Le bambin a volé au loup, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors je pense que c'est peut-être. Je pense pas que ça veut dire quelque chose. Je pense que quand il peut se déguiser ou pas, mais je pense que maintenant un bambin pourra faire semblant d'être un loup. On aura peut-être une interaction du genre. On pourra nager dans le lac, bon ça je suis sûre. Nouveau poisson, c'est ce que j'avais dit aussi, je pense que c'est un nouveau poisson. Pourra-t-on choisir et former ses clans? Alors, est-ce que ce sera le même système que vivre ensemble? Je pense pas qu'ils vont réutiliser parce que ça veut dire laisser tomber une grande partie du pack vivre ensemble. Ce sera peut-être, je pense, tu trouves une bande d'amis et vous voyez, on a un petit truc de bande où ça se trouve, sera peut-être moins développé que vivre ensemble, c'est sûr, je pense. Combat de clans, bah ça, on l'avait vu, on voyait, ils se battaient. Un nouveau télescope est présent dans le trailer, oui, je l'avais vu. Oui, nouveau landau, lit bambin et lit surposé. Donc, elle pense que le lit est un bambin. Que c'est un lit pour moi, le truc un peu comme écologie. Donc, moi aussi, mais j'hésite entre c'est un lit pour enfants et bambin. En tout cas, que ce soit les deux, moi, ça me va. Vers 1 minute 2, on voit les faces de Lénine. Est-ce que ça va avoir une importance ou juste un élément de décor? Bah, je pense que oui, parce que dans ça, il parle de phases. On a la guitare avec Grave Cloche, bon, pourquoi pas. Ils ont une manière bien eux de faire leurs voisins, ça c'est clair. Personnalisant de la fourrure comme pour les animaux, oui, bah, ça c'est cool en vrai. J'aimerais bien aussi un truc, ça n'a rien à voir. Mais oui, pour les animaux, on peut avoir une hétérochromie, donc avoir les yeux verrons si vous préférez, au niveau des yeux. Mais j'aimerais bien qu'on ait ça pour les vrais, pour les Sims quoi, pas pour les animaux. Pas que pour les animaux en tout cas. Les loups-garous n'auront pas de queue visiblement. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Ah bon? Attendez. Eh non! Attendez, j'avais pas vu ça. On va peut-être trouver le moment où vous savez, il court. Voilà. Regardez, ils n'ont pas de queue, effectivement. Nouveau piercing. Ah oui, non, j'avais pas vu, mais j'avais l'impression, mais j'étais pas sûre. C'était des piercings pour de jeu de base ou pas. Donc là, on a des petites photos qu'elle a récupérées, des trucs qu'ils ont vus là, qui est des nouveaux trucs pour les viandes, on peut les maquiller et tout. Ok, ben voilà, on a regardé un petit peu les articles, on a pu voir un petit peu la bande-annonce. Moi, je vais vous laisser sur une petite image, quelle image on choisit? Ben celle-là, parfait. C'est joli. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, bah de liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!